tuto se fera aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une présentation sur ma chaîne, une présentation de Nico, qui veut dire que, présentation qui veut dire produit. Produit que j'étais récemment chez Amazon, le site Amazon. Donc, c'est un produit. On va faire voir ça tout de suite. Qui est marqué crayon 6B, j'ai tout le temps. Essayons maintenant, c'est le pastel. Voilà, vous voyez là, vous faire voir les pastels entre soft, soit vous voyez, soft et medium. Et puis la pastel hard. Voilà, donc je vais essayer, soit vous voyez, je vais essayer, voilà, les trois pastels différents. Donc, allons-y. Si on déjà par le hard, voilà, c'est le hard. Ouais, c'est comme ça à faire. Hein. Hein. Direct. Après le hard, voici maintenant le medium. Essayez, voilà ce que ça fait vraiment. Après le hard, c'est le medium. Aussi. Pas beaucoup de différence. On fait ça, c'est bien comme tout ça. Ça rend très bien question estompage. Voilà. Ensuite, on va continuer avec le crayon, bien sûr. Elle fait ça, donc on va essayer celui-là. Hein. C'est le genre de crayon, vous faites voir, un crayon à fusain là, voilà. On va essayer comme ça. On va essayer bien aussi. Hein, hop. Voilà. Bon, je vais quand même. Vous voyez, j'ai quand même aiguisé le truc hein, avec le cutter. Voilà. Essayer le voilà, essayer d'abord par le premier, le voyez, le hard, voyez là, le hard, pareil comme les autres j'ai fait avant, et le medium, voyez là, hop, tout simplement, et après je vais essayer avec le soft, voilà, du plus dur au plus facile. Essayons d'abord avec le plus dur. Bon, ça va donner bien.
après le FMA, après le hard, allons-y pour le médium. Et là, le médium. Donc, allons-y pour un triangle différent. Que j'ai acheté de la marque HEB, voilà, HEB. Je connais un peu la société de fourniture de matériel. Donc voilà, c'est dans un petit pochette en tissu. Donc voilà, je vous le mets tout de suite. Voilà. Voilà. On voit ce qu'il y a dedans. On va vous faire voir. Voilà. Il s'agit, voilà, des instruments, pas de musique, mais de dessin. Voilà, moi j'ai eu des dessins récemment, collé sur ma chaîne, les dessins que je fais de portrait, donc là c'est des professionnels. Voilà, vous avez tous les instruments, vous voyez là. Donc, instruments, il s'agit là d'une lime pour, bien sûr, les pastels, voilà tout, pastels, ou sinon pour aussi vous passer à côté, voilà, et d'une gomme. Mais moi je préfère utiliser la gomme Slider, là tout, on va voir ça tout de suite. Donc moi je préfère utiliser la gomme de Smaclast, Tedler, voilà, marque plastique. Moi je préfère ça parce que c'est souple et qu'on peut gommer, c'est très facile, voilà. Que si je prends moi cette gomme là, on va faire voir, hein, hop. Cette gomme là, c'est souple, mais le problème c'est que c'est pas encore assez agressif. C'est-à-dire que moi je préfère les saleurs, c'est plus. Enfin, disons, on peut faire trop dégueulasse, mais si vous dégommez un peu les crayons à papier, même souple ou hard, voilà tout. Donc voilà pour l'impression. Donc voilà. Sinon, vous avez aussi d'un côté, vous avez les trucs pour voilà, les estompages.
je veux dire estampage, qui veut dire petit crayon d'estampage, fait de matière papier, vous voyez, hein, papier comme ça. Vous avez du plus gros ou moyen au plus petit, voilà, tout simplement. Et c'est bien aussi, c'est ce petit matériel-là, qui est un truc que vous mettez un crayon dessus, mais si le crayon est tout petit, vous pouvez le mettre dedans, voilà tout, et vous pouvez lire, dessiner et faire des croquis directement. On vous fera voir ça après la présentation. Voilà, donc je vais le remettre dedans. Vous avez combien neuf, c'est pas facile à remettre. On mettra après. Là, vous avez un cutter. À quoi ça sert un cutter? Bon, ça sert pas non plus à couper les n'importe quoi. Ça, c'est juste pour couper, plutôt aiguiser les crayons. Voilà, aiguiser les crayons qui sont là, vous pourrez voir à peu près les trucs. Donc là, c'est pour aiguiser, pas les crayons là, hein, tous les crayons là, je me trompe. Les crayons là, voilà. Aiguiser un peu les crayons à matière fusain, là, tout. Donc un cutter, c'est très utile pour les tailler. Voilà, tout simplement. Voilà tout. Voilà, puis ça, vous le remettez dedans. Si j'arrive à le remettre, c'est pas facile des fois. Bon, c'est du haut, c'est sûr. C'est pas évident. Voilà, je pensais à le mettre. Voilà, je pensais à le mettre. Voilà. Donc, vous avez aussi les crayons Sharkwatt. Voilà tout, les crayons Sharkwatt. Vous voyez la marque là. Je sais pas si vous voyez. Attendez. Hop. Voilà, Sharkwatt, voilà tout. Donc ça, c'est des crayons à fusain directement. Vous pouvez les tailler avec le cutter, c'est exprès pour. Et après, vous avez les crayons en papier, voilà, de tous les styles. Vous voyez tous les styles de trucs qu'il y a, voilà, du H5H jusqu'au B, jusqu'au BH, jusqu'au aussi, vous voyez, hein, BH, vous voyez, jusqu'au BH, jusqu'au 8B, 6B, moi je préfère 6B parce que 6B c'est très souple aussi, au moins un peu estompe. Voilà, et vous avez aussi des tacs crayons, voilà tout. Voilà, tacs crayons du petit, vous faire voir ça, hop. Du petit au plus gros, voilà. Mais bon, moi je préfère, bon je suis différent des autres, moi je préfère prendre ce tac crayon là. Que j'ai acheté chez Action à 1,50 €, voilà tout. Au moins, c'est plus facile de tailler. Pour bon, ça, c'est bien, mais bon, pour ceux qui passent pour la tête à faire plus facile. Bon, c'est vrai que manuellement, moi, je préfère automatique. On va dire ça. Voilà, donc vous avez aussi, vous avez dit les pastels de gris au noir et une gomme, vous voyez, une gomme. En plastique version mie de pain. Bon, c'est pas du mie de pain, mais c'est un peu la version du mie de pain. Voilà. Donc, à l'époque, on peut le faire aussi. Mais à l'époque, il faisait. Voilà. Donc, voilà pour vous faire voir un peu. Voilà. Voilà pour à peu près les matériels de dessin que j'ai acheté chez Amazon. Voilà, tout reçu récemment par la poste. Voilà. La marque H et B. Voilà. Donc, je vais tout de suite pour une démonstration de dessin. Donc, je vais faire une personnalité de dessin. Vous verrez bien. Donc, je ne vais pas vous dire le nom. Vous verrez qui c'est. Je vous laisse découvrir. Donc, à tout de suite pour la suite de la vidéo. À tout de suite.